Ah, l'équipe Lola. Pour certains, c'est un mauvais souvenir en Formule 1, mais pour d'autres, c'est toute une légende des années 60 et 70. Bonjour et bienvenue dans Track Day. Vous l'avez donc compris, cette Lola qui nous intéresse aujourd'hui est donc une star des années 60, surtout puisqu'elle a remporté bon nombre de compétitions légendaires, surtout eh bien, sur le continent des États-Unis, avec différentes versions, des versions ouvertes et surtout des versions fermé qu'on a pu également entreapercevoir au Mans, mais surtout, eh bien, cette voiture est réputée pour avoir remporté la première Can-Am en 66 avec non moins que John Surtees au volant, s'il vous plaît, respect à monsieur John Surtees. Elle a également remporté d'autres grandes compétitions comme Watkins Glen, à l'époque c'était une épreuve mythique qui a disparu, et puis on peut passer voilà, sur, en Europe par contre. Elle n'a pas rencontré grand succès, si ce n'est une victoire à noter aux 1000 km de Villarreal avec un Belge au volant, Teddy Pilette notamment, que certains connaissent bien si vous êtes du côté de Spa-Francorchamps. Et puis voilà, il y avait également la victoire aux 24 heures de Daytona 69 pour l'équipe Penske. Le Mans dans lui-même est très bien réalisé, vous pouvez le trouver bien entendu dans la description. Il est tout simplement porté de la version Air Factor 2 de la voiture qui est tout aussi réussie. Je vous conseille donc de bien tester cette voiture. Elle est joueuse, mais elle vous permet eh bien, de profiter, comme à l'époque, eh bien, de gros pneus, de grosses dérives et de beaucoup de puissance. Bref, une bête américaine 100% pur jus comme on l'aime. Il me reste à vous souhaiter eh bien, de monter le son et de profiter un maximum de cette Lola sur cette piste du Mugello parce que ça en vaut la peine.